Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soupane. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici est terrible, hein? Terrible. Un démon ne voulait pas qu'il se marie. Pourquoi? Écoutons cette histoire. Alors, cette histoire débute dans une église de la place à Libreville où un frère et une sœur décident de se marier. Et la fille ayant deux prétendants, un qui prenait bien soin de la famille et un qui avait un revenu modeste qui était à l'église avec la sœur. Et là, la sœur a choisi l'amour parce qu'elle était amoureuse du frère qui était à l'église et ils ont commencé à faire les démarches pour se marier. Allant même à l'encontre de la décision des parents et tout ça. Donc, les parents ont dû se soumettre aux sentiments de leur fille. Et là, ils ont commencé les démarches pour le mariage. La femme travaillait, le monsieur travaillait également. Et là, quelque chose de particulier s'est produit un mois avant le mariage. Un mois avant le mariage, lorsque le futur marié décide que, bon, un mois avant mon mariage, je dois prendre des congés. Avec l'argent des congés et mon salaire, je vais finaliser ma dot et tout. Donc, tout était bien ficelé. Et là, un mois avant le mariage, il perd le boulot. Lorsqu'il perd le boulot, c'est cataclysmique parce que c'est sur ce qu'il comptait pour finaliser la dot et puis terminer toutes les petites choses qu'il devait peaufiner pour le mariage. Désolé, je suis à la route. Bon, je profite parce que je suis vraiment très chargé. Donc, il perd le boulot. Et là, c'est cataclysmique. Mais ils peuvent pas annoncer à la belle famille qu'il a perdu le boulot. Et là, moi, qu'est-ce que je viens faire dans l'histoire? Dans l'histoire, quelques semaines avant le mariage, j'ai fait un rêve horrible, vraiment horrible, de chez horrible. Et là, dans le rêve, je suis dans l'église, le couple en train de se marier à l'hôtel, et du fond de l'église, dans le rêve, sort un démon vraiment affreux. Et à chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai toujours des frissons. Et le démon vient, il crie fort qu'ils ne doivent pas se marier, ils ne doivent pas se marier. Mais il était tellement horrible. Le démon était entouré d'une nuée noire, donc la fumée noire, il transportait une fumée noire qui avait des éclairs. Mais tu sentais sa puissance. Et là, je me suis interposé. Je dis, non, tu ne passes pas. Et ils vont se marier. Ils ne peuvent pas se marier. Je dis, ils vont se marier. Ils ne peuvent pas. Et là, j'ai bloqué le démon. Et ensuite, il est reparti. Dans mon rêve, je voyais comment il repartait dans la forêt. Et je me réveille le matin. Mon premier réflexe, c'est de filer vers le pasteur. J'ai dit au pasteur, mais pasteur, le frère et la soeur qui se marient là, voici le rêve que je viens de faire sur eux. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'intervenir, c'est pas dans les prières ou quoi que ce soit. Le pasteur a banalisé l'information. Elle a dit non, mais bon, Dieu a déjà tout fait. Et là, malgré tous les manquements, le gars s'est quand même marié. Il devait quand même certaines choses dans la dot, il s'est marié, et puis bon, ils se sont mis ensemble. Et lorsqu'ils se sont mis ensemble, les parents n'étaient toujours pas d'accord. Bon, ils ont suivi leur fille parce que leur seule et unique fille et ils les aimaient. Et cette fille était quand même diplômée, elle avait un bon travail. Le mari ayant perdu le travail, donc le foyer dépendait de la femme. Et là, quelque chose d'étrange arrive. Première grossesse, l'enfant grandit dans le ventre, 8 mois, paf, il sort, il meurt. Deuxième grossesse, des jumeaux, meurt. Troisième grossesse, l'enfant est déjà à terme, ils vont à l'hôpital, elle accouche, il est mort. Et là, ça devient compliqué. La maman commence à tomber malade, malade. Mais elle attrape encore une autre grossesse. Et lorsqu'elle attrape une autre grossesse, naît maintenant un enfant trisomique. Donc l'enfant ne grandit pas, l'enfant ne peut pas s'asseoir et tout et tout. Donc quand l'enfant prend, je crois c'est 8 mois, la mère commence à tomber sérieusement malade, sérieusement, sérieusement, sérieusement. Elle tombe sérieusement malade. Et là, elle arrive à un stade où
On l'amène à l'hôpital, elle est complètement malade. Elle a grossi, elle est devenue bizarre. Et là, on découvre qu'elle a un diabète avancé, une tension. En fait, on lui a attribué toutes les maladies qui existent même sur la terre. Et là, la sœur est hospitalisée. Elle est hospitalisée et la maladie ne fait que s'empirer. À un moment donné, on a l'impression que ça se calme. Et lorsque ça se calme, les gens se réjouissent que non, bon, ah, elle parle déjà, tout va bien et tout, et tout, et tout. Le mari et le beau-frère sont au hall de l'hôpital. Ils laissent la fille dans la chambre. Et la fille reçoit la visite d'une nouvelle équipe de médecins qui viennent l'ausculter et tout, et tout. Et là, elle fait une crise et c'est cette crise qui l'amène à la mort. Elle meurt, elle laisse un mari chômeur avec un enfant trisomique qui lui cause encore des difficultés aujourd'hui. Cette histoire, je la raconte pourquoi? Parce que aujourd'hui, les jeunes veulent faire selon leurs envies, selon leurs sentiments. Mais si nous allons un peu plus loin dans nos cultures, allons-y comprendre que lorsqu'un homme ou une femme choisissait son conjoint, on emmenait toujours ce conjoint vers la famille. Et c'était à la famille, généralement, le père et la mère, de dire que, ah maman, celui que tu as amené là, c'est un bon garçon, tu peux l'épouser, celui-là, ah, essaie d'abord un peu encore de l'étudier et tout et tout. Mais aujourd'hui, les jeunes pensent que c'est l'amour qui peut tout faire pour que vous soyez mariés. Non, les parents doivent être au cœur de ce choix-là, généralement. C'est vrai qu'ils ne vont pas vous imposer, mais ils ont le droit d'analyse. Et leur regard, en général, c'est un regard qui porte des fruits. Et moi, j'en suis un exemple parce que en 2005, j'ai fait mon premier enfant avec une fille. Mais mon père m'a clairement dit que non, c'est pas parce que tu as fait l'enfant avec elle qu'elle sera ta femme. Et elle n'a pas été ma femme. Et lorsqu'ils ont vu ma femme, et ils ont dit oui, là, il a trouvé une femme. Donc, vous voyez qu'il y a des choses que vous devez faire dans la vie et respecter certains principes. On ne va pas bafouer vos sentiments, mais il faut laisser quand même à vos parents le choix d'analyse. C'est que même si vous l'aimez, repoussez au moins le mariage, fiancez-vous, restez au moins 1, 2, 3 ans ensemble et voyez comment ça fonctionne. Et c'est ce que je voulais rappeler un peu à la communauté de MGTV, que faites attention avec les choix, faites attention avec les parents, parce que eux aussi, ils comptent dans les choix de nos conjoints et de nos vies. Parce que eux, ils nous ont vu grandir, ils nous connaissent, ils savent ce qui est bien pour nous. C'est vrai que tous les parents ne sont pas les mêmes, mais soyez quand même assez vigilants face à ces choix-là. Et aujourd'hui, la sœur est décédée. Elle est enterrée. Le mari est resté avec un enfant trisomique à cause d'un simple choix qu'ils n'ont pas pris le temps d'analyser. Et rappelez aussi aux hommes d'église que lorsque quelqu'un reçoit quelque chose, par exemple un songe, quoi que ce soit, ayez l'amabilité d'aller sonder le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit aussi vous donne des directives. Ce n'est pas banaliser le rêve de quelqu'un qui a vu un démon qui va agir dans la vie des gens. Donc, tout ça, ça vient conforter l'idée que il faut prendre le temps d'analyser certaines choses. Il faut être sage pour choisir la femme qui va finir la vie avec toi, l'homme qui va finir la vie avec toi. Ce n'est pas un jeu, le mariage. Le mariage, c'est pas un jeu. Les gens meurent dans cette affaire-là. Et voici l'exemple d'une histoire mystique qui est venue encore endeuiller une famille. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je reviendrai chaque fois encore liker, partager la page vraiment massivement. Waouh! Dites-moi ce que vous en pensez, hein. C'est assez compliqué. Et écoutons encore une autre histoire à côté, par un autre homme. C'est parti. Donc, l'histoire que moi je vais raconter, c'est l'histoire d'un cousin qui nous avait été racontée suite à un débat qu'on avait eu comme ça sur la vie d'Escama chez les anglo-saxons, comme ça on les appelle Escama au pays, et chez les francophones on les connaît sous le nom des brouteurs, et aux États-Unis aussi on les connaît sous le nom des catfish. Donc on se demandait, est-ce que ces trucs-là, c'est genre un don, genre bon, est-ce que quelqu'un naît et que il peut abrutir quelqu'un, détourner certaines sommes, est-ce que le gars nous dit non, parce que on s'était un peu référé au cas des Bamoun, excusez-moi comme ça, parce que c'est pas genre une critique quoi, c'est genre juste attirer l'attention, parce que de ce côté-là, chez mes frères Bamoun,
c'est récurrent, c'est fréquent. On les appelle les aginas. Genre, ils utilisent un peu souvent des rituels spirituels pour détourner, et à la fin ils se retrouvent un peu parfois dans la folie de tout ce qu'ils ont pu à faire. Et bon, bref, on se demandait si c'était naturel, s'il y avait de la spiritualité, s'il y avait. Et ce cousin là nous dit non, même si on va vous mentir, ou alors même si on va vous dire qu'il y a peut-être niveau et niveau, mais à un certain niveau, la personne jusqu'à va se retrouver avec le gros cœur et vouloir vraiment gagner gros, comme on dit souvent. Donc il nous dit qu'il avait un ami d'enfance qui se sont séparés pendant longtemps, et ils ont à se retrouver à Yaoundé. Ils ont vécu, en fait, ils se sont retrouvés à Yaoundé, quoi. Et cet ami l'a un peu beaucoup influencé parce que il vivait déjà une vie de luxe. Quelqu'un qui était d'une famille noble, il vivait déjà, pardon, une vie de riche. Et il échangeait des grosses caisses, il avait des amis ministres, il vivait dans des grands milieux et tout le reste. Il demande à cet ami, sincèrement, je vais prendre un nom comme ça, je vais dire Gérard, je veux être comme toi, je veux vivre, je veux aussi, tu sais, là, le pays c'est pas facile, donne-moi le réseau et tout le reste, je veux. Et son ami lui dit non, je peux pas parce que c'est pas bien et tout le reste. Et mon cousin se dit, bon, il refuse peut-être parce qu'il ne veut pas, tu vois, souvent, comme on dit souvent, tu veux juste que c'est toi qu'on doit vénérer quand tu passes, quand on chante ton nom, en fait. Et bon, son ami Gérard, comme ça, lui dit, bon, si tu veux, je vais te dire la vérité, hein, parce que je te dis, nous sommes des amis d'enfance, et je vais te dire la vérité. Là, ça va t'engager d'entrer ou pas, tu vois, un peu. Et il dit à mon cousin, actuellement, je suis scama, et le scamming, ce que je fais, c'est un certain degré. C'est un degré ritualiste, c'est un degré vraiment de sacrifice. Tu vois un peu, on ne voit pas tout ce que je fais là, et tu ne peux pas envier ma vie, tu ne peux pas. Moi, je t'envie beaucoup parce que j'ai déjà ôté la vie de beaucoup de personnes, j'ai déjà fait du mal, j'ai déjà tout ce que je fais, si c'est, comme on dit, juste de la farce souvent, tu vois un peu. Il dit non, sois clair, parce que moi, sincèrement, on sait que tout, il y a les petits trucs qu'il faut faire, mais quand même assez, toi tu vois un peu, il essaie de convaincre son ami que non, il veut vraiment entrer, mais au cas, il faut quand même qu'il dise tout ce qu'il faut dire. Gérard lui dit donc, lui, il a des objectifs pour réussir dans le scam. Cet objectif, c'est de sacrifier les filles. Sacrifier, oui, les filles. Qu'est-ce qu'il fait pour sacrifier les filles? Il va dans des zones à forte influence de filles. Des zones, je vais prendre comme ça, Nguaekele, au château, où il y a des bars, soit le Kradat. Bref, vous voyez un peu des zones où il y a des filles à Bastos et tout le reste, où des filles vont souvent et se disent, bon, je peux avoir mon gars comme ça, et un boutouk ou alors un mou, comme on dit souvent. Bon, ce qu'il fait, lorsqu'il va dans ces endroits, il s'assoit peut-être dans un bar, il attire d'abord l'attention parce qu'il vient avec une grosse caisse, il entre dans un bar et il s'assoit, il prend, il fait sa commande et il repère une bonne fille, entre guillemets. Il va vers la fille, pour prendre le numéro de la fille, il tend son téléphone, dernier cri aussi, et derrière le téléphone, il a 10 000. Donc, lorsque la fille, enfin, il fait que la fille remarque les 10 000. Si la fille veut bouder, il ajoute encore 10 000, genre, ok, plus tu boudes, plus il ajoute. L'essentiel, c'est d'avoir, c'est pas un problème, mais plus tu boudes, plus il ajoute. Une fois que il a le numéro, vous entrez en contact. Il se joue le simple, normal, non, j'y assez rien et tout le reste. Il a une somme à dépenser sur toi. Ça veut dire, tu peux faire ton shopping, tu peux renouveler ta chambre, tu peux faire tout ce que tu veux. Bon, bref,
c'est engagé. Hein. Du moment pour lui qu'il atteint la somme qu'il doit dépenser sur toi, une fois la somme atteinte, il peut te sacrifier et le sacrifice est accepté. Mais tant que la somme n'est pas atteinte, il te sacrifie, le sacrifice est non accepté, ce qui fait qu'il va peut-être devoir encore voir des esprits pour pouvoir se protéger, pour pouvoir ne pas avoir comme ça le sang qui crie sur lui et tout le reste. Donc il se fait passer pour l'Ompotoko, quoi, le Mugu. Entre temps, il dit à mon cousin, voilà, tu vas devoir voir des tradis praticiens, tu vas devoir renouveler les esprits parce que tu peux tomber aussi sur des filles qui sont mystiquement élevées, qui sont donc, ça sera un combat, il faut, et tu vas devoir nouer des relations avec des grandes personnalités de ce pays parce que aussi il faut garder, si on t'implique dans certaines choses, il va falloir qu'on te protège, il va falloir donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Maintenant, sur le plan de l'amitié, moi je te le dis parce que il y a certaines conditions avec tes amis hommes et tout le reste de ta famille. Tu n'as pas le droit de dépenser plus de 10 000 francs sur quelqu'un. Ça veut dire genre quelqu'un vient te poser un problème, 100 000, 300 000, tu peux avoir 5 millions. Mais tout ce que tu peux faire, c'est 10 000 francs. Mais sur le champ, tu vois, tu peux faire boire à la personne même 300 000 francs. Mais son problème, c'est à l'échelle de 10 000 francs. Donc voilà les limites. Vous pouvez aller, vous buvez, vous pouvez aller, vous fêter, vous pouvez aller, je ne sais pas trop. Mais le problème de tes amis, de ta famille, ça se limite à 10 000 francs. C'est limite, genre, tout ce que tu peux faire, c'est limite à 10 000 francs. Genre, comme ça, quoi. Donc, il dit à mon cousin, là, que sincèrement, la majorité des grands scammers que tu vois sont impliqués dans beaucoup de trucs. Il est vrai que à un certain bas niveau, les petits grands et tout le reste, c'est des petits jeux. Mais pour entrer à un certain niveau, il va falloir vraiment faire des sacrifices. Parce que son initiation avait été faite sur les réseaux sociaux de telle enseigne que on l'avait mis en contact avec un businessman, un blanc, et c'était comme un test d'initiation. Il devait convaincre la personne, et lorsque le marché devait être accepté, la personne lui envoyait un sticker, vous voyez, sur WhatsApp, les stickers normal, c'est normal. Maintenant, comme il était nouveau dans le truc, il allait montrer ses amis que, mais ça signifie quoi le sticker? Ses amis qui l'initiaient lui ont dit que bon, là c'est le pacte. Il va falloir, si tu réponds au sticker, ça veut dire que tu as accepté le pacte. Et le pacte, là, le sticker, c'était un sacrifice. Ça veut dire que dès que tu réponds au sticker, ça veut dire que tu acceptes de tuer une personne. Tuer une personne de la famille. Bien sûr. Donc, là, c'était des trucs à haut niveau. On lui dit qu'on le faisait faire des lavages rituels pour le soir. Il ne devait pas peut-être boire ceci, il ne devait pas faire cela, il ne devait pas. Donc, en fait, c'est pour attirer l'attention de mes confrères, de mes amis, de mes sœurs. Genre, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faut pas toujours envier les gens parce que vous voyez des choses, je sais pas comment dire. Faut pas toujours envier les gens parce que, tous ces gens font des choses pour nous attirer. Et des filles tombent généralement parce que elles ont toujours besoin de vivre facilement. Donc, entre autres, c'est l'une des histoires que j'avais racontées sur... Merci pour l'histoire. Waouh! Écoutons ensemble une autre histoire. Hors du commun, racontée par une jeune femme.
Mon histoire, c'est en 2015 et ça s'est déroulé au Nord. Et je faisais deuxième année. Comme j'avais mes camarades qu'on a commencé en première année ensemble, on avait choisi notre rangée. On a choisi les deux premiers bancs. Et c'est comme ça qu'on a occupé et on était dans notre groupe et on était à trois. Subitement, le proviseur vient avec une fille qui nous présente et dit qu'elle est nouvelle, qu'on lui trouve de la place. Et comme il y avait l'espace vide à côté de nous, je demande à la fille de venir s'asseoir. Mes copines ont refusé. Non, mes camarades qui sont mes amis ont refusé que non, la fille ne doit pas s'asseoir sur notre banc. Et j'ai insisté. Comme j'ai insisté, elles ont préféré me laisser avec la fille. Et c'est comme ça que la fille me dit merci, elle s'installe. Premier trimestre, ça se passait bien. Ce qui était marrant, c'est que ma camarade qui était la nouvelle, elle me fait comprendre qu'elle est la belle-sœur d'un DG et à l'époque Orange chauffait. Dans Maison Orange chauffait. Et c'est là qu'elle dit que non, elle est la belle-sœur d'un DG, donc patati patata, parce qu'on voyait comment on l'amenait à l'école en voiture. Quand il est 15h, le chauffeur venait la chercher. Et quand elle venait, elle me gardait. Parce qu'elle me gardait souvent, elle venait avec un tas de plastique, les cadeaux, elle souvent les habits, les chaussures. Jusqu'à je lui demandais que même. Bon, comme on ne peut pas prononcer le nom de la personne, et que, ma copine, c'est comment? Bon, je peux quand même la surnommer, non? Il dit, Jeannette, c'est comment? Tu trouves tout ça où? Après, il dit que non, ce sont les cadeaux que son oncle lui ramenait quand il part souvent en voyage et comme ça. Elle m'offrait les choses, tout ça. Et pendant les pauses, même, c'est elle qui faisait, dont elle m'amenait au cantine, elle dépensait. Le premier trimestre s'est passé. Quand on a donné le congé de Noël, elle m'a fait comprendre qu'elle n'est pas fêtée à Douala. C'est comme ça qu'on ne s'est plus vu. Moi, j'ai fêté chez nous, sur place au Nord. Après un bon matin, elle est revenue au deuxième trimestre. Et quand elle est revenue, elle est revenue avec beaucoup de choses qu'elle m'a gardées. Un jour, la fille m'invite chez elle. Parce que quand elle venait chez nous, tout le monde l'appréciait chez nous. Et sans vous mentir, la fille était très belle. Elle était très très belle. Bien brune. Dans le genre que un homme ne peut même pas résister. Chez nous, on n'accepte pas tout le monde. Mais ça suppose même tout le monde que elle venait chez nous comme elle veut, à l'heure qu'elle veut. Un jour, je viens dire à ma grande soeur que, ouais, pardon, j'aimerais que ta soeur passe les week-ends avec moi. Ma grande soeur n'a pas frappé. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est ta copine, c'est ta camarade, il n'y a pas de problème. J'arrive chez elle, je trouve une grande maison. Une maison que moi-même j'ai eu peur que la fille s'y habite dans ce duplex. Il y avait tout, piscine et comme ça. Elle m'amène dans sa chambre. Je vois sa chambre était mille fois, donc c'était notre salon fois deux. Elle bougeait seulement la tête. Elle ouvre un placard, elle me dit, choisis ce que tu veux. Je dis, comment ça? Elle me dit, oui. Choisis tout ce que tu veux et tu rentres avec. Je commence à ramasser jusqu'à ce qu'elle m'a donné une valise ou que. Ramasse, ramasse. Elle dit, je ramasse seulement. Comme je ramassais et ramassais, après, elle part au salon, elle revient avec un verre. Et le verre, il y avait le whisky. Et elle me dit, prends ça, on doit jubiler. Je dis que jubiler quoi, est une autre amitié, que ça doit être durable comme ça. Je dis que ouais, maman, moi je ne bois pas de l'alcool. Elle me dit que ouais, pour la première fois, fais-moi plaisir. Tu ne vois pas que moi je fais tout pour te mettre à l'aise. Fais-moi quand même plaisir. C'est là que je dis, ok, je vais aussi goûter. Je prends,
je coûte un peu et ça n'allait pas. Je lui dis que non, ça va. C'est bon, je ne peux pas boire. Après, elle me dit, on peut nager. Je lui dis que je ne connais pas nager. Elle me dit, ok, parle de la vie. Je dis que non. Elle dit, ok, ça va. Comme tu ne veux pas, il n'y a pas de problème, ça va. À un moment, elle vient et s'approche. Elle commence à me caresser. Elle dit, maman, c'est quoi? Non. C'est comme ça que je suis sortie en courant. Quand je suis sortie jusqu'à le gardien, il était même surpris. Je rentre chez nous, je ne pouvais même pas dire. Elle a dit ça à ma grand-sœur que voilà ce qui s'est passé. Elle reste tranquille, un moment, une nuit, deux jours, trois jours. À l'établissement, je ne la voyais pas. On l'a trouvé nulle part. C'est comme ça que je me rends. Bon, avant que j'aille chez elle, mes camarades me demandaient que, mais où est ta copine? Où est ta copine? Pourquoi ta copine ne vient pas? Comme ce qui s'est passé, je ne voulais pas leur dire. J'étais là, ils disaient, caca, je suis sa gardienne. C'est comme ça que, comme elle a insisté, je vois une semaine, deux semaines, elle ne venait pas. Je dis, non, il faut que j'aille voir. Quelque chose ne va pas. Quand j'arrive dans la maison, à ma grande surprise, il n'y avait personne. Quand je demande aux voisins et comme ça, on dit que personne n'a habité dans cette maison. Cette maison est vide presque 12 ans. Il n'y a personne là-bas. Il dit, comment ça? J'étais là la dernière fois avec ma copine, une camarade de classe. Elle est comme, je décris tout. Elle donne même le nom. Je dis, elle s'appelle Janelle. Donc, elle me dit, non, personne a habité dans cette maison. C'est une maison abandonnée. Je dis, hey. Abandonnée, comment on me dit que la maison est abandonnée, ça fait 2 ans qu'il n'y a personne. Ah, je suis restée, je rentre à la maison, comme on a eu à voir les photos et qu'on sort. Je pars, je regarde les photos, elle n'apparaît même pas sur aucun des photos qu'on s'est filmé. C'est là que je commençais à trembler, je suis tombée malade presque un mois. Je ne parlais pas, donc quand on me touche, même je suis sûre. C'est après que ma grand s'est partie chercher un pasteur, elle a prié, que j'ai eu à lui dire que voilà. Bon, sans vous mentir, soyons vigilants, le dehors est risqué. Moi, en conclusion, ce que je peux dire, la fille c'était un fantôme. Donc elle n'était pas réelle, elle était juste un esprit, je peux dire, qui est venu peut-être c'est pour une tentation et pour son. Waouh! Vous avez entendu? Écoutez encore une autre histoire. L'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de. Une histoire de femme de homme de Dieu. Précisément, femme de homme de Dieu. Je ne vais pas dire la religion en question pour éviter les problèmes, mais je vais raconter une histoire. L'histoire se passe comme ceci. Il y a une dame qui vivait avec son mari, je précise bien son mari, homme de Dieu. Ils avaient, je pense, 2 enfants ensemble. Ils avaient 2 enfants. Donc, la dame, tout allait bien, tout était tranquille, il n'y avait pas de problème. Ils avaient une communauté où ils allaient prier et tout. Donc, un jour, la dame a rencontré un autre homme dans un magasin. L'homme en question a rencontré aussi, a vu la dame. Du coup, quand il voit la dame, il s'approche de la dame. En tant qu'ami, il dit à la dame, eh ben, bonjour, vous êtes jolie et tout. Comment vous appelez? La dame donne son prénom. On va dire que la dame s'appelait Marjolaine. La dame donne son prénom, je me prononce Marjolaine. Ah, ok, d'accord, bon. Je m'approche pas de vous là. Vous draguez ou bien juste en tant qu'ami. Donc, n'ayez crainte. La dame dit, ok, et vous, on va dire que le monsieur s'appelle Jean-Baptiste. Bon, je m'appelle Jean-Baptiste et tout et tout. Ok, bref. Bon, après, il dit à la dame, est-ce que je peux vous déposer où vous allez, vu que la dame était Marjolaine, elle était au supermarché. Elle dit, ah, ok, pas de souci, monsieur Jean-Baptiste. Allons-y, vu que vous avez dit que vous êtes là en tant qu'ami et tout, ça ne me dérange pas. De toutes les façons, moi, je suis mariée. Il a dit, ok, non, il n'y a pas de souci. Est-ce que moi, je vous ai dit que je veux de vous, je vous apprécie, ça ne cause pas de problème.
Il a dit, ok, pas de souci. Elle a dit, ok, pas de souci. Elle est montée dans la voiture de l'homme. Quand elle est montée dans la voiture de l'homme, l'homme, le monsieur en question, le Jean-Baptiste, l'a déposé. Quand il dépose la dame, il s'en va. Donc, quand il dépose la dame en question est partie. Ils se sont échangés de numéros. La dame, il appelait souvent la dame, bonjour, comment tu vas, Marjolaine, ça va et tout. Et monsieur et les enfants, vraiment, faut m'inviter là où tu peux, je vais venir là-bas en tant qu'ami, vraiment, je sais pas et tout. Tu ressembles à une de mes sœurs et tout, et tout, et tout, et tout. Il a raconté tout un tas de choses, là, vous-même, vous connaissez. La dame a dit, ok, il n'y a pas de souci, le monsieur venait souvent à l'église, il est venu une ou deux fois, mais discrètement, il ne s'est pas trop fait voir. Il est retourné, Jean Baptiste est retourné. Bon, on va dire que son mari s'appelait Séraphot. Séraphot, dans tout ça, lui, ça ne le dérangeait pas. Il voyait que c'était une âme en plus que la femme a conquérie, puisqu'il voulait de temps en temps que la femme parle à ce monsieur du Seigneur et tout. Mais un jour, un bon matin comme ça, c'est pas ce qui s'est passé, d'après Séraphot, parce que c'est une histoire vécue. D'après Séraphot, la dame a ramassé ses choses. Elle a dit, elle ne veut plus, elle s'en va. Ça a causé tout un tas de problèmes qu'il y a. Ça a causé un tas de problèmes dans l'église où ils étaient, avec les fidèles, que qu'est-ce qui s'est passé, et tout, elle a entamé la procédure de divorce, mais le mari, Séraphot n'a pas signé les papiers. Il a dit, il ne signe pas les papiers, il tient ferme qu'il ne veut pas le divorce, et tout. Ça a chauffé vraiment dans l'église et tout. Vous connaissez comment les chrétiens sont, ça a commencé à chauffer, chauffer, parler de bouche à oreille. La dame est partie rester. Elle est partie rester chez. Jean-Baptiste. En allant rester chez Jean-Baptiste, Séraphot s'est mis en prière. Il a commencé à prier. Mais la dame, quand elle va chez Jean-Baptiste, elle oublie complètement Séraphot. Elle laisse l'enfant. Elle va seule. Donc, quand Marjolaine va maintenant chez Jean-Baptiste, quand elle va là-bas, elle, sa vie maintenant, c'est Jean-Baptiste. Mais elle est à l'aise, elle a tout ce qu'elle veut, elle oublie les parents, petit truc sur le téléphone, elle n'a pas de soucis. Mais Jean-Baptiste en question, lui, il était dans les pratiques. Et il a vu l'étoile que Marjolaine avait. Donc, dans ses pratiques qu'il faisait, il avait besoin de conquérir l'étoile de Marjolaine. Mais c'était du genre, il traitait Marjolaine tellement bien. Chez lui, il n'y avait pas de dire qu'oh non, il y a des chambres cachées. Non, oh non, cachées, excusez-moi. Il y a des chambres cachées. Il n'y a pas de dire que non, il n'y a pas des endroits où on ne rentre pas. Chez lui, tout le monde pouvait arriver. C'était un homme vraiment bien. Et c'était un jeune, je précise bien que c'était un jeune. Il est jeune, bien tranquille. Tu arrives chez lui, tu fais ce que tu veux. Il y a des ménagères et tout, bien petite maison, bien, pas des bonnes noms, mais des ménagères quand même pour quelqu'un qui a ses moyens, qui peut se payer des ménagères. Et puis après, Marjolaine en question a commencé à tomber malade. Elle est tombée malade. Quand elle tombe malade, puisque elle, le Seigneur parla avec elle dans les rêves. Je précise bien que le Seigneur parla avec elle dans les rêves. Quand elle tombe malade, elle fait d'abord un rêve où elle est attachée à un arbre qui a des branches. Serpents. Donc toutes les branches, ça sont que des serpents. Mais les serpents là ne font rien. Ça ne fait pas du mal, ça ne mord pas, mais c'est juste là, ça l'a effrayée. Quand elle se réveille, elle dit maintenant à son chéri que ah, voilà le rêve que j'ai fait, ça m'a vraiment fait peur. Mais le chéri dit, mais prions, c'est toi vraiment la chrétienne, tu sors quand même d'une bonne relation, prions, vraiment prions. Mais la seule condition que je te donne, vu que il y a dans certaines églises et tout, où on prie, les hommes sont devant, les femmes ne doivent pas être pasteurs, donc moi je suis de ce côté-là. Donc moi je vais être devant, toi tu pries derrière. Et chaque fois, elle priait. Parfois, quand il vient du travail, non, Marjolaine, prie pour moi, je suis fatiguée, je suis ceci, je suis cela et tout, mes affaires, ça ne va plus. Du coup, elle avait totalement confiance en lui parce que c'est quelqu'un. Il lisait même la Bible, il disait même, non, voilà les versets bibliques, voilà. Il était de ce genre-là. Elle avait totalement confiance en lui. Et il avait monté les choses dans la tête en disant que non, c'était un ami qui est mauvais, voilà. Et bref. Elle a fait le rêve, il y a eu un séminaire maintenant chez Séraphot.
Il y a eu beaucoup des hommes de Dieu qui sont arrivés, pardon. Il y a eu des hommes de Dieu qui sont arrivés. Alors, il y a un homme de Dieu que l'Esprit de Dieu interpelle. Il parle à Séraphon. Il dit à Séraphon, ta femme est en extrême danger. Ta femme est en extrême danger. Et dans le danger de ta femme, tu as baissé la garde. Tu n'as pas été vigilant. Parce qu'un homme de Dieu est celui-là qui se lève au matin pour prier pour sa femme et pour ses enfants. Est celui-là qui recommande l'Éternel et l'armée de l'Éternel de veiller sur sa femme et ses enfants. Lorsque tu as vu qu'il y a eu le divorce, tu ne l'as pas fait, tu as prié, mais tu n'as pas laissé le Seigneur intervenir. Voici comment l'Esprit de Dieu parle à Séraphon. L'Esprit de Dieu dit à Séraphon que ta femme actuellement est enceinte. Mais la grossesse qu'elle porte là, c'est une porte qui va l'entraîner tout droit à la mort. Mais Séraphon ne peut plus appeler sa femme. Il sent que non, sa femme a déjà changé le numéro. Il ne sait même plus là où elle vit. Il ne sait pas. C'est du genre quand elle a besoin d'envoyer, par exemple, pour les enfants, l'argent et tout. Elle prend genre son ancien numéro. Elle met la puce, elle appelle, elle envoie les numéros. C'est comme ça, elle envoie l'argent. C'est comme ça qu'ils se contactaient. C'est comme ça, Séraphon a dit, ah, merci, homme de Dieu, prions. Il a dit non. On va commencer à prier dans le séminaire en question. Ils ont commencé à prier. Prier. Mais la femme, quand il priait, vu que les séminaires, il y a souvent des séminaires qui se font à partir d'une certaine heure et ça termine à une certaine heure de la nuit. Quand il priait, la femme, elle était déjà endormie. Séraphon aussi était Jean-Baptiste aussi était endormi. Donc Séraphon et l'homme de Dieu, son collègue homme de Dieu et l'assemblée ont commencé à prier avec le nom de Marjolaine, prier. C'est comme ça Marjolaine fait encore le même rêve. Elle fait le rêve où elle est toujours attachée à un arbre. La corde qui la relie à l'arbre là est faite de l'or. Elle est bien habillée, elle a les bijoux, elle a tout, mais elle est attachée à un arbre, sérieusement bien liée à cet arbre là. C'est-à-dire que elle est bien attachée et parmi toutes les branches serpents de cet arbre-là, il y a un gros serpent qui ouvre sa bouche, genre pour l'avaler maintenant. Commencer maintenant à l'avaler. Maintenant, il y a une main maintenant dans le change qu'elle a faite, il y a une main maintenant qui sort de nulle part, mais toute blanche avec une machette ou l'épée, je ne sais pas trop quoi, qui venait pour trancher la tête du serpent. Maintenant, il s'appelle comment? Le monsieur Jean-Baptiste en question. Lui, il a vu ça, il a réveillé la femme à l'instant où on devait couper la tête du serpent. Il a réveillé la femme. Il dit, chérie, réveille-toi. Elle le sait, se réveille. Oui, bébé, il y a quoi? Il y a quel souci? Ah, tu as même bien fait de me réveiller. Oh. Le rêve que j'ai fait là, j'ai encore refait le rêve de l'arbre serpent là. Le mari dit, toi tu ne pries pas bien. Écoutez bien, ça c'est carrément Jean-Baptiste qui dit ça à Marjolaine, l'ex de Séraphon. Toi tu ne pries pas bien et pourtant tu es chrétien, nous sommes un couple chrétien, comment ce genre de choses? Lève-toi dans la prière, allez, lève-toi, prie. Mais mets-toi derrière. Elle aussi, elle se met derrière. Oh, mets-toi à genoux, elle aussi, c'est ma genoux. Elle commence à prier, mais elle est derrière. Donc sa prière va directement derrière au nom du monsieur là, elle prie. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle a commencé à faire des malaises. Il l'a amené à l'hôpital. On a détecté qu'elle est enceinte de en tout cas un mois, quelque chose comme ça. Quand on détecte qu'elle est enceinte, quand elle revient à la maison, elle commence maintenant à maigrir. Manger, ce n'est plus ça. Elle est pâle, à tout moment, proche du sang, pâle. Mais le médecin, d'après ce que le médecin disait que c'est normal, il y a des grossesses qui font ça. En même temps, c'était pas normal. Jean-Baptiste a commencé déjà à exercer ses fonctions de pratique occulte sur Marjolaine. Tout en se défendant, en faisant en sorte que Marjolaine ne le sache pas, puisque elle était miroitée par les paroles, les prières qu'elle faisait pendant que lui-même, le chef couvreur de l'histoire, c'est lui-même qui est dans des mauvaises choses. C'est comme ça, elle est tombée sérieusement malade. Là, vraiment, c'était fort. Elle est tombée malade, c'est comme ça.
Jean-Baptiste a pris Marjolaine, il a amené Marjolaine à l'église. Il amène Marjolaine à l'église et tout, quand il amène même, je raconte quoi, excusez-moi, il amène Marjolaine à l'hôpital. Quand il amène Marjolaine à l'hôpital, c'est comme ça que il la laisse là-bas, à l'hôpital. Donc, à ce que on donne à Marjolaine les soins, que le corps médical prenne soin de Marjolaine en tant que malade et tout. Donc, le même homme de Dieu qui est le collègue de Séraphon reçoit encore la visitation pardon, de l'Esprit de Dieu qui lui dit, c'est le moment de vous lever dans la prière. Si vous ne vous levez pas, Marjolaine va mourir. Là, en ce moment, Marjolaine, il ne reste plus que la partie du cœur jusqu'à la tête. La nuit, Marjolaine, elle est à l'hôpital dans la maladie. Le collègue de Séraphon se lève maintenant, il démarre sa voiture, il arrive maintenant chez Séraphon, puisque Séraphon, lui, vit avec certains fidèles de l'église, là. Donc, il dit à Séraphon, prends tes fidèles, venez, on va intercéder, prière de combat sur place. Venez, on va intercéder, Marjolaine est en train de partir. Prière maintenant, prière. Quand Séraphon maintenant est en train de prier avec son collègue, Jean-Baptiste, la nuit, Jean-Baptiste, je ne sais pas là où il était, mais lui aussi, il démarre là-bas, il sent que quoi, ça ne va pas. Mieux je me lève, je démarre parce que là, c'est mauvais. Mes plombs sont en train de tomber dans l'eau. Quand il démarre là-bas, lui aussi, donc, vous savez, les choses de Dieu, vraiment, quand on a vraiment des hommes de Dieu, vraiment, quand on a vraiment la foi chrétienne, il y a des choses vraiment que Dieu empêche. Il crée l'embouteillage vraiment que tu ne peux ni reculer, ni avancer. Donc, Jean-Baptiste tombe directement dans l'embouteillage. Un tour, il sent que, oh merde, qu'est-ce qui ne va pas. Mais quand il veut descendre, Jean vous dit que, bon, là, je descends. Je lève même ma voiture, je prends une autre voiture et tout. Il ne peut pas l'embouteillage. Vous savez que quand il y a les embouteillages, parfois dans les rues, là, au lieu de deux rangs de voitures, c'est maintenant des 3-4 rangs. Chacun crée son rang parce que tout le monde veut sortir de l'embouteillage. En attendant, Séraphon et son collègue prier avec les autres fidèles et les prières, prière. C'est comme ça. Elle fait encore le rêve, là. Là, maintenant, elle fait maintenant le rêve. Quand elle refait le rêve, elle voit maintenant comment les serpents, là, tous les petits serpents sur le même arbre, la même cornée, même fer. Tous les petits serpents dorés, là, ouvrent la bouche maintenant pour dire que là, ils vont l'avaler. Elle voit comment une main sortant de nulle part vient vers elle. Détache, coupe toutes les têtes de serpents, là. Coupe toutes les têtes de serpents. Sa main sur le visage de Marjolaine. Quand elle se réveille seulement, elle dit non. Elle s'est maintenant mise aussi à prier. Prier. Donc, le temps que Séraphon et ses collègues hommes de Dieu comme lui étaient en train de prier, elle était aussi en train de prier. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu a saisi son collègue et a dit, c'est bon, tout est déjà accompli. Vous pouvez déjà laisser Marjolaine elle-même va maintenant revenir. Quand Marjolaine sort maintenant, vient maintenant après la prière, elle s'annonce maintenant, elle dort maintenant tranquille. Elle sent maintenant que bon, là, il y a maintenant un sérieux problème et tout. Quand Marjolaine dort, c'est comme ça après. L'embouteillage est peut-être fini, une affaire de 2 heures ou 3 heures après. Quand il arrive à l'hôpital, Jean, il trouve la femme endormie, il vient. Quand il rentre, elle aussi, elle se réveille. Il y a quelqu'un qui est dans la chambre, elle se réveille. Oh chérie, tu es là, oh oui. Elle commence à parler, elle explique le rêve et tout, et puis elle demande, mais les serpents là, qu'on fait quoi? Elle dit, non, il y a une main, je pense que c'est la main de Dieu qui est venue, ça a coupé toutes les têtes des serpents, ça a tout fait et tout, ça m'a même ouvert les yeux, machin. Mais là, je sens que on doit aller à l'église. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, on va aller à l'église. Mais quand elle arrive maintenant à la maison, elle a seulement, quand elle arrive à la maison, elle a fait peut-être 2 ou 3 jours à la maison. C'est comme ça, quand elle arrive à la maison et tout, 2 jours après, pouf, elle sent un truc genre, la grossesse est sortie. Et quand la grossesse est sortie,
le dangereux Jean-Baptiste a commencé à prendre ça. Non, 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 je ne veux pas sortir de ma maison. Tu as fait des avortements et tout, machin. Elle aussi, elle ne se sentait plus à l'aise, quoi. Elle sentait que, ah, moi, je ne veux plus rester dans la maison, là. Mon esprit ne veut plus et tout. Elle voulait déjà aussi partir. Donc, du coup, lui, le dangereux Jean-Baptiste, quand il a vu que Lago avait déjà était déjà désenvoûté de tout ce qu'il avait fait, tous les plans qu'il avait fait, lui a fait tomber ça dans l'eau. Lui, il a demandé à Lago de partir, mais il a juste trouvé le prétexte avec la grossesse qui est sortie. Et Lago, quand elle est partie, elle est retournée chez ses parents, demander maintenant aux parents, expliquer aux parents que voilà, voilà ce que j'ai eu pour ma monture et tout, et tout, et tout. Les parents m'ont dit que, ah, machin, nous, on savait, mais quand on venait parler de ça, toi, tu faisais comme si, genre, on n'était pas avec toi et tout. Donc, du coup, nous, on était obligés de te laisser dans ton propre chemin. On ne pouvait pas. Mais sinon, ton mari, là, il faut retourner. Elle allait demander pardon au mari. Le mari n'a pas refusé. Ils sont restés ensemble. En fait, moi, mon message, c'est pour dire que c'est pour attirer l'attention de toutes les femmes, les hommes de Dieu. Que le plus souvent, l'ennemi ne s'attaque pas à l'homme de Dieu, mais il s'attaque à la femme. Voilà, merci pour l'histoire. Merci. Vous avez entendu ça? Ha! C'est vraiment hors du commun. Beaucoup. Si. C'est vraiment, vraiment hors du commun. Ha. Maintenant, écoutons encore notre histoire racontée par une jeune femme. C'est une histoire hors du commun. C'est parti. Mon histoire d'aujourd'hui, DMG, ça, c'est toujours par rapport aux amis, aux copines avec qui on marche. C'est mon histoire à moi. À moi-même. Moi, j'avais un groupe d'amis avec qui j'étais en Guayaquil, on marchait ensemble. Parmi ces amis-là, j'avais une qui était un peu comme ma sœur, comme on appelle aujourd'hui les juju et tout. Mais j'avais également une autre amie avec qui on rentrait ensemble parce qu'on était presque dans le même quartier. Non, avec les autres, on n'était pas dans le même quartier, mais avec elle-là, quand on faisait nos 400 coups et tout, et puis on rentrait ensemble parce qu'on était presque dans le même quartier. On rentrait de l'université un jour de Nguaïkélé. Bon, je vais appeler mon amie Sandra. Je rentrais de Nguaïkélé avec mon amie Sandra. On est passé par le CHU pour arriver à Mbélène là. Il y a un raccourci là que les étudiants qui sont pauvres comme nous, s'ils apprennent là-bas au CHU pour sortir à Mbélène prendre le taxi. Donc, on rentrait par là. On était en train de marcher. Moi, je marchais avec Sandra. On tapait nos noms d'hiver et tout. Il y a un monsieur qui passe là en vitre fumée. Il garde devant nous. Quand il garde devant nous, il appelle donc. C'est ma copine qui se retourne en premier. Elle dit moi. Le monsieur dit non. Appelle-le ta copine à côté. Quand elle me dit, on t'appelle là-bas. Et lui dit non, non. Il m'appelle pourquoi je pars. Je pars pas. Le monsieur était dans une grosse voiture. Noire, vitre fumée. Elle me dit, pourquoi tu es toujours comme ça? Pourquoi tu es bizarre comme ça? Quelqu'un t'appelle si c'est pour un renseignement, mais si c'est pour quelque chose qui ne te plaît pas. Mais tu peux juste lui dire que ça ne te plaît pas. Non, ce n'est pas pour lui que quelqu'un t'appelle. Tu ne pars pas. Si c'est pour un renseignement, tu fais comment? Tu lui donnes le renseignement et tu pars. Lui dit, ok, si c'est pour un renseignement, il va nous donner le renseignement. Il va nous demander le renseignement, là, nos deux. Je tire dans sa main, je lui dis, on part. On arrive devant le monsieur. Le monsieur n'a pas fait de problème que nous soyons arrivés de. C'est à moi qu'il s'appelle. Il a dit bonsoir, mais mesdemoiselles et tout. On a répondu bonsoir. Après, il me demande à moi comment tu t'appelles et tout. Je lui ai dit que mon prénom n'est pas important. Qu'est-ce que vous voulez? Le monsieur était. Il avait toute la tête blanche. La tête était blanche, la barbe était blanche. Mais le monsieur était mignon. Pas les choses qu'on raconte là. Il était tout frais, il avait la peau là comme quelqu'un qui vient de sortir de l'eau, comme le miel en fait. Donc, beaucoup d'autres filles là seraient tombées et tout. Donc le monsieur me demande mon nom, je lui dis non, mon nom n'est pas important et tout. Et vous m'avez appelé, est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que vous m'avez appelé? Il me dit waouh, redescends sur terre, pourquoi tu es sur la défensive et tout?
je ne mords pas, je veux juste que toi et moi on fasse connaissance parce que je t'ai aperçu là et puis il y a quelque chose en toi qui m'a attiré, qui m'a intéressé et puis je veux que toi et moi on fasse connaissance. Je lui ai dit que désolé, je ne suis pas intéressé. Il me dit pourquoi? Parce que tu as suivi les histoires, parce que tu m'as vu en... dans une grosse voiture avec les vitres fumées et puis que tu as déjà suivi les histoires ici dehors par rapport aux types qui ont les voitures et qui accostent les inconnus et tout. Je lui dis non, ce n'est pas ça le souci, c'est que je ne suis juste pas intéressée. Quand j'étais en train de parler comme ça, ma copine dehors, Sandra, elle était en train de me pincer. Ça raconte pour me dire que non, je ne devrais pas réagir comme ça. Le monsieur me dit, oh s'il te plaît jolie demoiselle, est-ce que je peux avoir ton numéro et tout. Je lui ai dit que mon numéro, je vous ai dit que je ne peux pas vous donner mon numéro, je ne suis pas intéressée, c'est déjà mon nom, je ne vais pas vous donner mon nom, ce n'est pas mon numéro de téléphone que je vais vous donner. Quand je dis à ma copine que tourne-toi en bas, il me dit, ouais, accordez-moi encore 5 minutes de votre temps. Je lui ai dit, monsieur, je suis pressée, c'est que vous avez besoin d'un renseignement, je vous donne le renseignement, mais si vous ne voulez pas le renseignement, Je vais devoir partir parce que je sors de l'école et puis je suis fatiguée. Le monsieur me dit, ok, puis si tu ne veux pas me donner ton numéro de téléphone, moi je vais te donner ma carte de visite. Peut-être qu'un jour, Dieu va toucher ton cœur et puis tu vas m'appeler. Il fait semblant de fouiller la voiture là, la boîte à gants. Il me dit, oh là là, je ne suis pas sortie avec mes cartes de visite. Je pense que c'est fini. Bon, néanmoins, je vais écrire sur un papier, je vais te le donner. J'étais placée debout parce que ma copine, elle était en train de me faire genre, elle me faisait les yeux, elle me sortait les yeux, elle me pinçait, elle me faisait les trucs des pions qu'on était placés là. Donc le monsieur me dit que je veux un peu votre stylo, s'il vous plaît. Je lui dis que je n'ai pas de stylo. Il me dit, waouh, tu te dis que tu sors du campus et tu n'as pas de stylo, comment? Il dit à ma copine que non, comme tu vois, je veux le stylo. Ma copine sort le stylo de son sac qu'elle lui donne. Le gars ouvre la boîte à gants. DMG. Il y avait les billes classées à l'intérieur. Lui dit, dans la boîte à gants de la voiture. Il sort deux billes de 10 000 à l'intérieur. Monsieur écrit son numéro. MTN, tu as un billet de 10 000. Il écrit son autre numéro. Orange, un autre billet de 10 000. Le gars me tend. J'ai dit au monsieur que monsieur... Si on vous a envoyé, allez dire à la personne que vous ne m'avez pas vu. C'est comme ça que vous passez le temps ici là, dehors, à faire la sorcellerie aux petits enfants et tout, et tout, et tout. Vous prenez carrément l'argent, vous écrivez dessus. C'est pour me dire quoi? S'il y a d'autres filles ici là, dehors, que l'argent intéresse, impressionne, moi ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne carrément pas. Je me suis tournée, je suis partie. Ma copine est restée derrière vous. Quand j'ai dit à ma copine qu'on part, elle est carrément restée derrière. Quand je me suis tournée, je suis partie. Quand elle est revenue là, elle me dit que non, elle voulait demander les excuses au monsieur parce que c'est un monsieur quand même qui est âgé et tout. Il peut être mon père. Je l'ai très mal parlé, j'ai été impolie, donc il fallait qu'elle demande les excuses et tout à ma place parce que j'étais impolie. Entre temps, quand elle est restée par derrière, je ne sais pas comment est-ce que le monsieur a fait, mais le monsieur lui a donné une carte de visite qu'elle devait me remettre et le monsieur lui a remis 5 000. Quand il me dit que voici la carte de visite que le monsieur a donnée, regarde comme ça, j'ai eu 5 000, genre j'étais là, je n'avais même rien. Tu es trop bizarre, toi la fille, là tu aimes trop jouer les saintes vierges Marie et tout. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. La carte de visite, là, moi je ne prends pas. Je prends pas ça. Si tu veux, tu peux appeler le monsieur, vous causez ensemble, moi je m'en fous. Mais moi je ne suis pas concernée par ça. Entre temps, quand moi je parle comme ça, la go, elle, moi je suis rentrée chez moi, elle est rentrée chez elle. Elle a commencé à écrire au monsieur, elle est rentrée ce soir-là, elle a écrit au monsieur. Le monsieur lui dit donc, ok, tu as causé avec ta copine, ça s'est passé comment? Elle me dit que je vais convaincre ma copine, c'est un petit problème, je vais essayer de la convaincre et tout. Entre temps, je ne sais pas trop ce qui causait, je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être sur 3 semaines. Elle causait avec le monsieur. Le monsieur lui envoyait des sous. Le monsieur lui envoyait l'argent. Apparemment, elle causait avec le monsieur. Au départ même, elle ne me disait pas. Alors qu'elle disait au monsieur que non, elle essaye de me convaincre et tout, et tout, et tout.
Une fois là, elle est venue me parler de ça. Elle me dit qu'elle cause avec le monsieur. Elle cause avec le monsieur depuis. Mais le monsieur ne parle que de moi. C'est seulement moi qui veux. Le monsieur a flashé sur moi et tout. Il est vraiment intéressé par moi. Je lui ai dit que si toi tu vois que tu es intéressé par le monsieur Norma, tu pars. Moi, je t'ai dit que je ne suis pas intéressée. Et puis, c'est la dernière fois que tu me parles de cette histoire. Parce que si tu me parles encore de lui, toi et moi, on va se gâter. Quand elle me dit comme ça, quand je parle comme ça, elle me dit que, ok, j'ai compris. Entre temps, elle cause avec le monsieur. Elle ne cause pas. Elle s'est mise jusqu'à ce que le monsieur lui envoie de l'argent. Donc, quand je lui ai dit ça, elle me dit que, ok, j'ai compris. Je ne sais pas pourquoi, mais elle demande au monsieur un jour qu'elle veut nous voir. Elle dit au monsieur que c'est pour parler de moi. Le monsieur accepte donc le rendez-vous, il lui donne rendez-vous dans un resto. Il part de s'asseoir là. Quand ils arrivent, ils commandent ce qu'elle va manger, ils commandent à boire avec le monsieur également. Ils commandent, ils mangent et tout, et tout, et tout, et tout. Le monsieur paye la facture. Le monsieur lui demande donc comment ça se passe avec moi. La fille lui dit que vraiment, elle a tout essayé, elle a tout dit, elle a tout fait, mais moi je suis réticente, je ne veux pas. Le monsieur lui dit que ok, il n'y a pas de problème, tu auras quand même essayé. Elle dit au monsieur que, comme les femmes avaient le gros cœur, elle dit au monsieur que qu'est-ce qui t'intéresse même sur la fille là, que moi je n'ai pas. Je suis plus belle qu'elle, j'ai plus les formes qu'elle et tout et tout et tout. Avec toi, moi, je peux t'accepter. Je suis prête depuis que je t'ai vu ce jour. Je rêve de toi. Genre, elle commence à faire la cour au monsieur. Le monsieur lui dit non. Chacun a chaque béni a son marché, a son truc sur le marché. Moi, c'est ta copine qui m'intéresse. C'est pas toi. Donc, c'est ta copine que je veux et tout. C'est ta copine qui m'intéresse. Elle dit au monsieur, ok, il n'y a pas de souci si toi tu ne me veux pas. Mais ma copine, elle a dit que elle non plus, elle ne te voulait pas. Le monsieur dit que c'est sans problème, tu auras quand même essayé. Avant de partir, le monsieur lui donne l'argent de transport et tout. Les filles avaient le gros cœur. Donc quand elle voit l'argent de transport, elle voit la voiture, le monsieur propose, elle demande au monsieur si le monsieur ne la dépose pas. Le monsieur dit non, il lui donne l'argent de transport. Elle prend son taxi et rentre à la maison. Elle part donc parler à sa grande sœur, parce qu'elle vivait chez sa tante. Donc sa cousine, qu'on peut dire c'est sa grande sœur parce qu'elle vivait là, elle vivait ensemble. Elle part donc parler à sa cousine qui est aussi une fille du Dior, qui est une fille tête en l'air aussi comme ça. Que non, comme tu vois, elle raconte l'histoire et tout. Elle raconte l'histoire à sa cousine et tout. Sa cousine lui dit que non, on ne peut pas laisser ce gibier partir. C'est un gros dossier. On ne peut pas laisser le dossier là partir et tout. Moi, il y a un monsieur qui me fait souvent les huiles d'attirance. Quand tu vois, ici, les voitures viennent toujours me déposer ici là et tout devant le portail. C'est parce que mon huile là, et je vous ai interdit, quand tu vois je cache mon huile comme ça, c'est parce que c'est l'huile d'attirance et c'est tout et tout et tout et tout, c'est seulement pour moi. On va partir chez le monsieur, il va également faire ta part et puis tu vas partir voir le monsieur encore et tout et tout et tout. Elle dit ok, sa soeur l'a donc amené où elle partait faire son truc d'huile d'attirance. Ils sont partis, ils sont rentrés. Elle écrit encore au monsieur que non, elle veut voir le monsieur et tout. Le monsieur accepte qu'elle a un problème, elle veut en parler au monsieur. Elle a vu le monsieur et puis elle pense que le monsieur peut l'aider et tout. Le monsieur lui dit encore que ok, il n'y a pas de problème. Toi et moi, on peut se voir. Il lui donne encore rendez-vous et tout. Donc, elle met son huile là, elle se parfume, elle s'habille sexy et tout. Qu'elle arrive au lieu du rendez-vous, elles ont une fausse histoire bizarre qu'elle raconte au monsieur et tout. Mais entre temps, la go fait les manières, elle fait les trucs. Quand elle est en train de faire ces trucs-là, le monsieur la regarde, il rit. Il est en train de rire. Elle demande au monsieur, pourquoi est-ce que depuis tu es en train de rire? Le monsieur dit, parce que je sais ce que tu es en train de faire. Mais je t'ai dit depuis que tu ne m'intéressais pas. Et que, donc tu veux pas là dire que, avec tout ce que j'ai, c'est là.
avec tout ce que j'ai ici, avec tout le matériel, tu connais fille du centre, avec tout le matériel, c'est là, tu ne vois pas ça. Qu'est-ce que tu as même vu sur la maigrichon là et tout, et tout, et tout, et tout. Le monsieur lui dit que, en tout cas, on va faire simple. Si tu m'aides à passer une nuit avec ta copine, qui est moi, si tu m'aides à passer une nuit avec ta copine, tu as 500 000. La fille lui dit, t'aider à passer une nuit avec ta copine, avec ma copine, comment? Le monsieur lui dit que je sais pas, que tu lui donnes rendez-vous et tout, en fait que tu montes un plan et que ça arrive que moi je passe la nuit avec elle, je te donne 500 000. La fille dit ok, comme tu as décidé de ne pas me vouloir, tu es prêt à payer 500 000 pour avoir des fesses d'une autre femme alors que moi je suis là et tout, je te donne ça gratuitement, tu refuses, il n'y a pas de problème. La grosse, ça n'a même pas tiqué dans sa tête et ça n'a même pas fait genre dans sa tête. Elle a raconté à sa grande soeur encore ce qui s'est passé et tout. Sa grande soeur a dit que, ok, à défaut de rien, tu as quand même quelque chose. Comment est-ce que tu vas faire pour que ta copine passe la soirée, la nuit avec lui et tout? Donc, avec le monsieur, ils ont prévu. Ils avaient prévu de m'amener à l'hôtel, dans un restaurant, dans un hôtel non, où il y a un restaurant. C'est la fille qui allait m'inviter au restaurant et tout. On allait aller s'asseoir là dans le restaurant de l'hôtel. On allait manger, mais maintenant, entre-temps, elle allait mettre quelque chose dans ma boisson. Et puis le monsieur avait payé la facture, ils avaient déjà fait le plan. Le monsieur qui avait choisi l'hôtel et tout, le monsieur avait payé la facture de ce qu'on va manger avec elle. Il a payé la chambre et tout. Donc, la fille était censée, quand je serai droguée, m'amener dans la chambre que le monsieur a payée. Dès que DMG, les choses qui se passent ici, ma copine, c'est vrai qu'on n'était pas trop copines. C'est juste qu'on était dans le même groupe, on marchait ensemble, mais quand même, tu es capable de me vendre comme ça. Lago me dit que ma copine, c'est comment? Demain, en partant en cours, tu dois t'habiller parce que je sais que si je te dis que on rentre à la maison et puis on ressort, tu vas refuser. Donc, tu t'habilles bien parce que toi et moi, on va sortir. Je dis, on sort, on part où? Elle me dit que en fait, j'ai trouvé un sugar daddy là, comme ça là, avec qui je traîne. Il m'a invité au restaurant, dans un hôtel là-bas. Je sais que c'est parce qu'il veut faire, mais comme moi, je ne veux pas faire, je veux que tu m'accompagnes. Je lui dis que toi et tes choses là, si on peut me taper là-bas, elle me dit que oh, on ne va pas te taper. Il est vieux, il est comme ça. Nos deux là, si on se mélange, je suis lui, on va le finir. Toi, tu as refusé d'avoir les sugar daddy et tout. Moi, c'est comme ça que moi je vis. Je ne peux pas être ici là, déo, je souffre alors que j'ai un beau corps, je suis belle et tout. Elle a fait, et parce qu'au début, j'étais un peu réticente et tout, mais après, elle m'a dit, ouais, c'est moi, non. Est-ce que je t'ai dit que tu partais coucher avec le monsieur, tu m'accompagnes juste et tout. J'ai accepté après que non, je pars avec elle. Je ne savais pas que moi, on partait, moi, me vendre comme ça. Quand on a fini cours le jour là, les gars avaient attissé leur plan avec le monsieur parce que le monsieur était déjà au courant et tout. Et apparemment, elle avait même aperçu l'argent du monsieur. Le monsieur lui avait donné une avance sur son argent et tout, sur l'argent qu'il devait lui donner. Il lui avait déjà donné peut-être plus de la moitié. Donc, on arrive là. On arrive au restaurant. On s'assoit. On est en train de causer, on commande à manger et tout. Pendant que je suis en train de manger, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non. Je me sens mal et tout. Elle me dit, ma copine, c'est comment? Elle dit que je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Il y a un sixième sens qui me dit, laisse la fille ici, là, à l'hôtel, tu rentres. Il y a quelque chose de mauvais qui va se passer ici. C'est un sixième sens qui m'a dit ça. Je simule donc un appel de ma mère qui me demande de rentrer urgemment.
je simule l'appel là à l'eau. Je me sentais déjà pas bien. Donc, quand j'ai mangé, apparemment la nourriture et la boisson étaient déjà droguées. Et comme j'ai cette mauvaise habitude là, c'est que je mange très doucement. Je peux manger même pendant 2 heures de temps. Donc, quand je dis que je vais au restaurant, je suis pas moins pressée parce que je sais que je vais manger même pendant 2 heures de temps. Donc, je mangeais doucement. J'ai pas pris une grande quantité quand j'ai commencé à me sentir mal et tout. Et tout ça. Bon, voilà, je lui dis donc que ma cour, comme tu vois là, non. Ma mère m'a appelé d'urgence et tout. Elle me dit, comment est-ce que tu veux me laisser ici là et tout? Je lui dis que non. Ma mère ne m'appelle pas souvent comme ça. Ma mère sait que je suis au campus. Si elle sait que je suis au campus et qu'elle m'appelle d'urgence, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui se passe à la maison. Laisse, je rentre. Avec ton Suga Daddy, si tu veux, toi et moi, on rentre. Après ça, puisque tu m'as dit qu'elle a payé la facture, parce qu'elle m'avait dit que le monsieur avait payé la facture, elle devait seulement payer, elle devait seulement prendre, et puis il allait venir et tout, il avait déjà payé, il avait réservé et tout. Je lui dis que puisque tu as dit qu'il a payé la facture, ça veut dire qu'on peut partir. Tu lui dis que tu as eu une urgence et tout, elle me dit que non, je ne parle pas à toi-même. La gosse est fâchée. Oh, c'est toujours comme ça que tu es, on ne peut pas faire les trucs avec toi. On ne peut pas. Il dit que la gosse est fâchée. Il dit que, ok, maman, moi, il rentre seulement. Un système sans ce masque m'a dit que rentre-toi. J'étais super mal. J'étais très mal. Quand je suis arrivée dehors, j'ai commencé à vomir. Je vomis. La gosse m'a vu comment j'étais à coupe dehors en train de vomir. La gosse n'est même pas sortie pour dire que non. Comme tu vois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, j'ai fini de vomir. Il y a un gentleman, il y a un gars galant là comme ça là que j'ai rencontré là. Quand il m'a trouvé en train de vomir et tout, il m'a aidé. J'étais en train de devenir faible un genre, je ne comprenais pas pourquoi. Il m'a aidé, il m'a demandé qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui ai dit que je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Mais que tu es ici seule. Je lui ai dit que non, j'étais avec une copine là, mais on vient de se disputer et tout. Moi, je rentre chez moi, je ne me sens pas bien. Le gars a dit que des choses comme ça, on peut faire comme ça, que c'est le poison qu'on est parti te donner là-bas. Le gars a décidé de m'amener à la clinique, parce que je devenais faible, je ne comprenais pas ce qui se passait. Le gars décide de m'amener dans une clinique à côté et tout. On est arrivé là-bas, on m'a fait le lavage d'estomac, on m'a placé les perfusions et puis il a appelé ma mère. Moi, nous au début, on pensait à un poison parce que j'ai raconté ce qui s'est passé à ma mère. Nous, on savait que non, c'était le poison et tout. Et tout et tout. Donc ma mère a dit que non. Quand je vais guérir, quand je vais sortir de l'hôpital, on va partir chez la fille pour qu'elle nous explique ce qui se passe en réalité. J'ai fait 2 jours à l'hôpital avec ma mère. Quand on sort donc, mon père dit que non, il faut que je me remette d'abord bien sur pied parce que j'étais toujours un peu fatiguée. Il faut que je me remette bien sur pied pour que on parte, avant qu'on parte chez la fille. On a peut-être fait 3 à 4 jours. Le 4e jour donc, mon père me prend, il prend ma mère, il prend quelques de ses frères là et tout. On décide de partir chez la fille. Quand on arrive donc chez la fille, on ne trouve personne. C'est comment? Ils sont où? Ils ont voyagé. On a trouvé parce qu'elle avait quelques petites cousines là et tout. La maman est où? Elle n'est pas là. Telle personne est où? Ma copine Sandra, elle est où? Elle a voyagé avec maman d'urgence parce qu'elle est malade. Elle est partie au village avec la maman se soigner. On a dit ok, on va revenir. Parce que quand ma mère a suivi que non, malade aussi, elle s'est peut-être dit que non, c'est peut-être l'hôtel qui nous a... Si elle aussi, elle était malade, ça veut dire que elle aussi peut-être, elle a pris le même truc qu'on nous a servi dans la nourriture. C'est peut-être là-bas qu'on nous a servi le truc dans la nourriture et tout. Donc, on a laissé le temps passer. Entre temps, on partait toujours. Je passais toujours là de temps en temps. Donc, ma mère a décidé de ne plus faire de ça. Un problème et tout. Mais entre temps, quand moi je rentrais du campus, je passais toujours là-bas et tout pour mes renseignements et tout. On me disait toujours qu'elle n'est pas rentrée. Un mois après, elle n'est pas rentrée. Je dis, ah, c'est quel traitement que la fille est en train de faire au village comme ça? C'est quelle maladie qui est subite comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Un jour, donc, je rentre. En rentrant, je décide encore de passer là-bas une énième fois pour savoir comment est-ce qu'elle se porte. Parce que même le téléphone, son téléphone ne passait pas. Son téléphone ne passait plus, rien de rien et rien. Donc, je décide donc de passer encore là une énième fois pour voir si elle est rentrée, pour voir si
si ça va et tout. Je trouve donc sa cousine qui lui avait donné le conseil là à la maison. Je lui dis, attends un peu, explique-moi. C'est quoi que Sandra a disparu complètement du jour au lendemain comme ça? Je suis seulement qu'elle est malade, puisqu'elle est partie depuis plus d'un mois. Son traitement n'est pas encore fini. C'est quoi le souci? La fille me dit que tout ça c'est à cause de toi-même. J'ai dit, et qui? À cause de moi, comment? Elle dit que parce que Sandra voulait, elle était jalouse de toi et tout. Et elle voulait l'argent d'un monsieur là, que vous avez rencontré ensemble, parce que le monsieur avait dit qu'il va la payer pour coucher avec toi. Et elle voulait l'argent parce qu'elle a dragué le monsieur a refusé. Elle voulait l'argent du monsieur. Elle voulait te droguer. Vous êtes parti à l'hôtel tel jour. Le jour-là, elle avait fait le plan avec le monsieur. Le monsieur était censé, on t'avait drogué, elle t'avait drogué. Le monsieur, moi je suis tombée malade, j'ai cru que c'était le poison. Mais j'ai dit que non, c'était pas le poison, c'était la drogue. Moi, mon corps ne supporte pas les stupéfiants, même l'alcool, je ne prends pas. Donc, ils avaient mis ça en grande quantité, ce qui fait que ça m'a beaucoup affaibli comme ça. Elle me dit que non, c'était pas ça, c'était plutôt la drogue qu'on t'avait donnée. Avec le monsieur, ils avaient fait le plan que on devait te droguer comme ça, on devait te monter, on devait te monter dans la chambre d'hôtel. Et puis le monsieur allait venir passer la nuit avec toi. On allait lui donner 500 000. J'ai dit, ah bon? Donc, ma copine était carrément capable de me vendre comme ça là. Moi, au départ, je ne comprenais même pas, en fait, parce que je ne me suis pas fâchée. Moi, ça m'amusait même, ce genre de choses. Il dit que, ah, ok, maintenant, elle a eu, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu m'accuses maintenant que c'est de ma faute? Quelqu'un qui voulait me tuer. Parce que ça, c'est me tuer. Moi, je lui ai dit depuis que j'étais pas intéressée par ce monsieur et tout. Elle voulait carrément me livrer, qu'on me viole carrément comme ça. Ça veut dire qu'elle voulait me tuer. Et puis, toi, tu viens dire que j'étais juste. C'est à cause de moi qu'elle est morte comment. Elle dit que, oh, comme ma soeur est bête. Le jour-là, quand tu es rentrée, elle devait rentrer avec toi normalement. Mais elle a décidé carrément de rester à l'hôtel, attendre le monsieur pour lui expliquer la situation, ce qui s'est passé et tout. Le monsieur lui a dit que, ok, comme elle a refusé qu'elle rembourse donc son argent parce que c'était censé être, c'était ça le deal. Et puis, elle avait déjà utilisé l'argent du monsieur. Donc, le monsieur lui a dit que, ok, comme tu as déjà utilisé mon argent, là, tu vas rembourser. Comme depuis, tu veux que je couche avec toi et que je refuse là. Aujourd'hui, tu vas donc, on va donc coucher ensemble et tout. Au départ, la go n'a pas vu ça d'un mauvais œil et tout. Ils sont partis ensemble. Le monsieur lui a dit que moi, je ne couche pas, genre, je fais la pénétration et tout. Tout ce que je vais te faire, c'est, bon, comme on dit souvent, le cunnilingus, non, la chatte. Tout ce que je vais te faire, c'est la chatte. Elle a dit que, ok, moi, j'ai pas de soucis et tout et tout. Donc, le monsieur lui a fait la chatte et tout. Apparemment, elle a bien joué le jour, là. Donc, elle rentre et raconte à sa soeur, elle dit que, oh, comme tu vois, là, un père m'a fait une chatte que j'ai même mis à mon passé, j'ai bien joui et tout et tout et tout. Le pénis ne m'a même jamais fait jouir comme ça, j'ai bien joui seulement la langue du père. Le père performant et tout, il m'a donné le reste de mon argent sur mes 500 000 et tout et tout et tout. Il m'a même pas pénétré et tout. Donc c'est comme ça que quelques jours après, elle se rend compte que sa vulve en train de gonfler. Ça gonflait, on l'a mené à l'hôpital, sa tante l'a mené à l'hôpital. Bon, comme il y a souvent les gens et tout, à l'hôpital et dans nos hôpitaux, il y a souvent certains voyants et tout. Il y a une infirmière à l'hôpital qui a dit à sa tante que non, comme tu vois là, ce n'est pas un problème de l'hôpital, va plutôt au village avec elle parce que ta fille va mourir ici à l'hôpital. Va au village avec elle si on peut essayer de la soigner et tout. Donc, c'est comme ça que sa tante est partie. Elle a raconté ce qui s'est passé à sa tante et tout. Sa tante est partie au village avec elle. On a fait les rites qu'on pouvait faire et tout et tout et tout. Mais jusque-là, ça lui a laissé un cancer de l'utérus. Au village, on a pu la soigner. Bon, on a dit, le tradit praticien de son village a dit que ça n'a pas été fini et tout. Mais quand ils sont rentrés, elle a continué à avoir mal. Donc, on l'a menée à l'hôpital, on a fait les examens, on s'est rendu compte qu'elle a un cancer de l'utérus. On a retiré son utérus.
En opérant, on est obligé de retirer son utérus. Elle est toujours en vie, mais elle est devenue carrément l'ombre d'elle-même et tout. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Elle n'a pas d'utérus, elle n'a pas de gars, elle est comme ça, elle est devenue bizarre. Elle a fané, elle ne ressemble plus à rien, elle n'a plus de vie en fait, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle ne peut pas, et c'est la chance qu'elle a eue parce que moi je dis souvent que Dieu t'a aimé, et c'est que moi je sais pas, mais je vais pas dire que je l'ai en voulu parce que j'ai vécu pire que ça, mais ce qui fait que je l'ai directement, moi je me suis pas attardée sur son histoire, et puis quand sa sœur m'a appelé bien après pour dire que non, il fallait mon pardon et tout, moi je lui ai dit que tout ce que moi je souhaite c'est qu'elle guérisse et tout. Donc je l'ai pas en voulu par rapport à ça. On a dit que c'était une partie de son traitement. Moi, elle dit que si c'est que ça va l'aider à guérir et tout, moi j'ai pas de problème. Moi je l'en veux pas, j'ai pas de rancœur dans mon cœur. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker, de commenter. Waouh, c'est vraiment hors du commun. Où est le gros yeux des gens? Voici le vrai visage de certains hommes riches dehors. Ils sont des chasseurs, des hommes diaboliques. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je finis de parler.